Et bon, attention, un max de coca. Hop, tac. Coca zéro. Cerise, orange, framboise, ça, c'est des coca zéro. Citron vert, vanille, cerise, vanille. Tout ça, c'est que du zéro. Ouais, moi, c'est vanille. Oh, nice. Oh, wow, nice. Justement, alors. Non. Alors oui, alors bonjour à tous. Allez, coucou. J'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Il est en pouce bleu, n'oublie pas le pouce bleu. Salut YouTube. Mais ça existe plus les pouces bleus, ils sont tous gris. Ah merde. Ils sont gris. Bah maintenant, on m'aurait menti. C'est soit en l'air, soit. Bah non, complètement pas. Moi dans mon dark mode, le pouce bleu. Moi j'ai le pouce bleu, moi. Dans le dark mode, il y a dans le dark mode, il y a le pouce bleu. Dans le dark mode, il y a le pouce bleu. Voilà. Bah, donc, je vais vérifier ça parce que sinon je dis une grosse connerie, je vais me faire défoncer dans les commentaires. L'ami Roued. Bonjour. Qui est bien connu pour ses commentaires de MGS et son gameplay sur RE5, hein, un jeu plus que discutable hein, finalement. Non, j'avoue, il était bien. Et à côté, on a. Alors si c'est quoi ton pseudo alors? Alors. Après, je te la sortirai à toi. La bonne question, merde. Qui es-tu, d'où viens-tu? Alors, Robert, 42 ans, divorcé, 3 enfants, chauffeur poids lourd. Mon but de la vie, c'est. Je sais pas moi, tester tous les restos routiers et niquer les putes. Ah, voilà. Et la bière, voilà. Et la bière, bien sûr. Ben oui, bien. Ça, c'est une réponse du LOL Internet. Voilà. Bon alors du coup, Roed, il va falloir que tu fasses aussi bien. Allez, vas-y. Quel est ton but dans la vie, Roed? Quand tu dises quelque chose après ça, quoi. Bah, je voulais niquer des putes et la coke, mais elle m'a déjà buté avec la bière. Oui, c'est un officiel. Oui, j'aime bien le dire, ça, je me la pète un peu. Ouais, on a vu que pourvu que mes beaux-parents voyaient pas ça. Hein. Oh merde. Ils me voyaient comme une gentille fille. Robert, 42 ans, ok. Oh merde. Bon alors, est-ce que Paris Games Week, oui ou non? Bah non, maintenant que je suis plus presse, non. Ah, t'as quelques noms là, sur lesquels on peut cracher un peu, là, Paris Games Week Cracher, non. Après, faire des bisous, oui, j'en ai plein. Ah, Putain, merde, spécial casse dédié à. C'est Romano et la Marie, en fait. C'est les animateurs sur Skyrim. J'étais au lycée, s'il te plaît. Oh là là, j'ai plus de vieux, putain. Non, mais je suis old school, moi, qu'est-ce que tu me prends? Attends. Romano, dit full s'il s'y représente. Le mec, il fait encore des trucs en plus. Romano? Eh oui, non, mais les tous en fait. Sur Skyrock? Mais oui. Dit full, Romano, la Marie. Okay. Bon, à part mon boss à Comano qui est décédé. Mais sinon, eux, ils font toujours leur émission. Mais oui. Big up Skyrock. Je regarde plus parce que c'est un peu nul. Tu regardes plus Skyrock? Bah oui, parce que maintenant, ils sont sur Internet. Ils filment en fait les débats et tout. Merde. Putain, ça me rappelle la période de Skyblog, là, tout ça. Là. Oh merde. Non, mais n'en parle pas. T'as eu un Skyblog? Non, moi non. Malheureusement, si j'ai envie de dire heureusement, oui. Non, j'en ai pas eu. Attends, j'essaie d'avoir des dossiers sur toi et tu m'en donnes pas là, depuis tout à l'heure. Mais je fais ma case dédiée ou pas, ouais? Ça sent ce que tu veux. Alors la case dédiée, vas-y. La case dédiée. Attends, je peux le faire en version clip de rap. La case dédiée. Ouais, je suis putain, j'ai pas y arriver. Vas-y. J'ai pas y arriver, putain. Ouais, je suis spécial case dédiée à Célia et ouais, et à. Je peux pas, quoi.
ton emballage de jambon là? Écoute, c'est du jambon que j'ai acheté dans un supermarché parisien, donc très cher là. Ouais. On a pris. Donc ce qui me faisait rire tout à l'heure, c'était qu'il y a marqué un jambon égale un cochon. Ça veut dire quoi? Bah je pense qu'ils veulent dire que c'est plus ou moins artisanal et qu'en gros ils ont pas mixé 30 cochons pour se faire une tranche de jambon. Un jambon qualitatif quoi. Voilà, mijoter autour. Bon alors fais voir la crampouse. Alors la crampouse. Oh, putain la crampouse. Quand je pense qu'on était là lors de l'unboxing avec Mando. Ouais. Là tu vois, elle chauffe à 250 degrés. Oh putain, 250 degrés, ça c'est de la crampouse qui déconne, zéro. Et donc là tu peux trancher des choses avec ça. Tu sais les vidéos où tu tranches un couteau avec 10 000 degrés où tu tranches. Oh là 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 là, la bonne pâte, la bonne pâte. Ah oui, tu les fais fat toi en plus. Pop, c'est approximatif comme travail ça. Hein. Ah oui, mais c'est pas mon métier, hein. Moi c'est juste pour les manger que je le fais. Hein. Alors, ce qui va te faire rigoler, c'est que bon, là c'est une truelle type truelle de chantier ou de menuisier, c'est pour décoller les bords. Une galette c'est facile. Ouais. Il faut mettre du beurre. Voilà. De base. C'est pas la pénurie de beurre, là. Il vient d'où ce stock? Écoute, il vient du Franprix du coin. La contrebande. Non, mais j'ai filé un billet de 10 euros au magasinier, et puis il m'a filé du beurre. Hop. Pour la technique. Pour la technique. Et là où tu vas halluciner, c'est là, pour bien faire fondre le... pour bien cuire le blanc d'œuf. Pour bien l'étaler. Oh mec, tu vends du rêve là. Bon, bien sûr, faut se laver les doigts, mais. faut pas y aller après avoir serré la main à tout le monde. Mais... après avoir manipulé un stick arcade par exemple. Ah oui, ça. Voilà. Hop. Bien sûr, la spatule. Une spatulos. Et tu passes de dessous là, oh là là, tellement bien. Tu marques le pli, oh là là. Mais pas trop, faut pas non plus que ça casse. Et tu plies ta crêpe. Ou ta galette. Voilà. Point. Oh là là, incroyable. Et attention, l'ingrédient de la soirée. Ah bah c'est vraiment pas la prohibition là. Bon, les outils valent ce qu'ils valent, mais ils fonctionnent. Le pinceau de chantier. Qui n'a servi qu'à ça, hein, donc il est propre, hein, je veux dire. Ah ouais, bien sûr, tu viens pas de mettre du dissolvant dessus, non, c'est vrai. Ah si, les toilettes, je les ai nettoyées. Ah putain, enfoiré. Et aussi, ce mouvement que tu fais en dessous, là, c'est sensuel. L'ingrédient pour sauvegarder la cuisine, le petit déjeuner. Ah oui. Non, mais toi, nettoyer. Quoi? Oh là là, ce mouvement sensuel quand tu passes en dessous, là. Oh là là. Attention. Voilà. Pom.